Devant son public, Ibrahima Diallo peut savourer. Son objectif était fixé, il est atteint. Le voilà champion de Belgique francophone chez les poids moyens. Pour son 7e combat chez les pros, le Bruxellois est venu à bout du Moldave Alexandru Kotofana. Un combat qu'il a remporté au point, à l'unanimité. Je suis un boxeur très cérébral, aujourd'hui je l'ai montré, en dominant tous les rounds, en prenant le moins de coups possible et en mettant à défaut mon adversaire. Et c'est pas pour autant qu'on avait l'impression qu'il frappait plus fort que moi ou autre. C'est juste qu'il n'a pas réussi à me toucher, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui j'ai montré que le cerveau est plus important que les muscles. Invaincu chez les pros, Ibrahima Diallo a parfaitement géré son combat. Son premier en 8 rounds. Sabiendo en todo momento que Ibrahima es un boxeur inteligente. On sait qu'Ibrahima est un boxeur très intelligent. Il a su s'adapter à son adversaire et malgré une douleur à l'épaule droite, il a géré tous ses rounds pour l'emporter au final. Un adversaire qui avait 4 victoires, dont 3 par KO, donc ça veut dire que c'est un cogneur. Aujourd'hui, j'ai prouvé qu'aujourd'hui, ce qui compte dans la boxe, c'est pas la force, c'est pas la puissance, c'est ce que tu as dans la tête. La suite, c'est un titre national qu'il vise à présent. Il a défié le champion de Belgique en titre. J'espère que le champion va accepter le défi que je lui ai lancé et boxer contre moi. Si pas possible, je chercherai un adversaire belge qui puisse boxer contre moi et après ça passer à l'étape supérieure qui est d'ici la fin de l'année pouvoir faire un championnat du monde moins de 25 ans. La Belgique, puis l'international. Le boxeur veut construire sa carrière, mais sans brûler les étapes. C'est un grand champion, il est jeune et il a une grande marge de progression. De l'avenir, c'est sûr que l'Ixellois en a dans la boxe, mais il a surtout un grand appétit. Et quand on lui demande son rêve ultime... Champion du monde, je pense qu'il n'y a pas de limite. Souvent en Belgique, on nous demande de nous mettre des limites et pas trop rêver. Moi, je suis un Bruxellois, j'ai grandi ici, mais j'ai des grandes ambitions. Et je pense que dans la vie, pour y arriver, il faut rêver. Et aujourd'hui, je rêve d'une chance mondiale et je me donne les moyens pour y arriver. Cette belle promesse de la boxe espère marcher sur les traces de son père, Béa Diallo, lui aussi champion de Belgique chez les pros. Ibrahima s'est déjà fait un prénom dans la boxe et peut rêver d'un avenir doré.